Allez, bonjour à toutes et à tous, ici c'est Landron pour le quatrième épisode de mon Let's Play découverte sur le jeu Prison Architect, un jeu que j'adore, un jeu que je vous conseille très fortement. Et on avait la dernière fois fait un nouveau bloc de prison, on avait étendu la prison. Et là, il faut qu'on fasse pareil en haut, histoire d'être tranquille. Alors, donc c'est... Je me souviens jamais de combien c'est, par combien c'est. Donc c'est du 16 par 14. Donc on va se mettre en face. Donc du coup, vu que là j'en ai un de plus, 14, 15. Ah oui, chaud. En fait, j'aurais dû décaler légèrement un bloc vers le haut. Parce que du coup, il n'y a pas beaucoup de place. Ça risque de faire des émeutes. Bon, à faire avec. On va faire avec. Ça me fait d'ailleurs penser ici. On va faire un truc comme ça. Donc là, on va mettre 10 supplémentaires. On va en faire un autre bloc ici. Là, on mettra des douches, je pense. Et ça sera plutôt bien. Je vous rappelle, l'objectif, c'est d'avoir 100 prisonniers. Donc ça va plutôt vite. Donc j'ai accéléré le temps. Tchac, tchac. Pour l'instant, aucun facteur de danger. Vous voyez, ça c'est plutôt peinard. On est plutôt bien. La capacité de prisonnier augmente. Donc on a contrebande qui arrive. L'armurerie, ça permet d'avoir des gardiens armés. On va les mettre. Qu'est-ce qui se passe? Donc là, ils sont en train de manger. Normalement, ça devrait aller. Allez, ils sont peinards. Miam miam. Alors lui, il mange pas. Lui, il s'est foutu devant son assiette. Et il mange pas. Ils ont 7 têtes quand même. Ça fait un limite peur. Alors ici. On va être bloqué ouverte. Voilà. Donc ici, là, ça sera sans doute des bureaux ou des trucs comme ça. C'est une zone que j'ai laissée vierge au cas où. Donc c'est pas très optimisé, mais en même temps, s'il fallait vraiment que j'optimise à mort, j'aurais dessiné toute ma prison sur un bout de papier avant de faire ce let's play. Pour être à peu près sûr de ce qu'il faut. Sauf que je ne connais pas encore le jeu assez bien. Alors. Les services. Les câbles électriques. Voilà. Donc ici ça va bien aller. Donc on va monter à 40. Ensuite, il faudra que je fasse une salle. Donc les douches. Il faut 3 d'espace. Donc ça veut dire qu'il faut que j'augmente de 4. Voilà. Là, je referai un bloc ici. Et là, je pense qu'il y a la place pour faire autre chose. Je sais pas trop quoi. Peut-être la morgue ou un truc comme ça. La morgue à côté des cuisines, c'est quand même un bon concept. Je suis content d'avoir trouvé ce concept. Mais c'est dégueulasse ici. Incontrôlable. Vol de véhicule avec violence aggravée. Là ça va, tout va bien, on est plutôt peinard. Donc ça cuisine bien, tranquille. Là ça construit,
Faudrait que je fasse une fouille générale, mais les fouilles générales, c'est pas tout de suite. Je sais pas encore. Donc, il y a des téléphones, l'alcool. Donc là, on voit exactement quels sont les trucs de contrebande qu'on a ici. Des armes. Les briquets, les aiguilles, des ciseaux, oula. Il y a des trucs, hein, il y a beaucoup de trucs. Il faudrait que je fasse une fouille, je fasse une fouille générale dans pas longtemps. Sauf que je sais plus comment on l'a fait. Donc pour l'instant, je suis au troisième jour, c'est-à-dire en fait à la troisième année. Les jours sont en fait des années. Totalement logique. Alors. Il faut que je repasse en vitesse normale. On va faire les douches. Voilà. Tac. Pomme de douche. Donc les services. Câble électrique. Là c'est bon. Ensuite on pourra mettre les portes. On va mettre les salles. Ah, c'est quand même un petit peu recherché, hein. Voilà. Ensuite, je vais mettre un gardien ici. Un gardien dans les douches. Un gardien ici. Et on est bon. Il m'a l'air tout triste lui. Ah non, il a l'air en fait tout swag avec ses lunettes. Blanchiment d'argent. D'accord. Pour l'instant, pas d'émeute, on est plutôt bien. Alors. Qu'est-ce qu'on peut faire? On peut faire une fouille. Hein. Allez, c'est parti. Fouille générale. 134 endroits possibles. On va voir si on peut pas trouver des tunnels ou des trucs comme ça. C'est bien de checker parce que là, on sait pas trop dans quoi on s'engage. Enfin, là, on a que 16 prisonniers, mais il y a moyen que ça augmente vite. Il y a eu des fouilles inutiles, je sais. Zut. Donc là, il cherche, il trouve rien. C'est plutôt bien d'ailleurs. Je préfère qu'il trouve rien que plein de trucs. Aha! On trouvait des cuillères, ça veut dire que il y a moyen qu'ils aient trouvé un tunnel par ici. Parce que s'il y a des cuillères, ça veut souvent dire qu'il y a des tunnels. Ok. Des médocs, des fourchettes. Ouais, ils trouvent des trucs quand même. Hein. Ils trouvent des trucs. Ils sont pas forcément aussi exemples de sous-soupçons. Mode normal. Ça va juste pas assez loin.
Ok, donc c'est parti pour nouvelle cellule. Donc 14, sachant qu'on peut en enlever un. Plus que 13. 1, 2, 3, 4, 5. C'est là. Donc là, c'est bon. Allez, construisez-moi tout ça. Trois prisonniers entravés dans leur cellule ou à l'isolement. Où est la 134e place? C'est là. Donc c'est bon. Les fouilles ont été faites. Ça s'est plutôt bien goupillé. Donc, là, le nouveau paquet de cellules arrive. Ça, c'est bon. On va bloquer ouverte. C'est parti pour un nouveau bloc. Toc. Ça coûte cher les blocs quand même. Heureusement qu'il y a les subventions qui vont bientôt arriver. Toc. Là, c'est bon, les services. Ok. Électricité. Ok. On va mettre en déploiement quelqu'un ici. Et des ports de prison. Salle des cellules. Ah, mais je les vois pas encore. On va attendre. Donc là, on est vraiment bien. Vraiment pas de problème. Ok, il y en a qui sont fatigués. Je vais mettre des gens parce qu'il n'y en a pas assez. Voilà. Donc j'ai plus 35 000 d'argent, enfin plus que. J'en avais quand même pas mal, mais c'est parti assez vite. Après, je peux prendre des... Je peux en prendre un troisième maintenant. On peut faire des maîtres chiens, enfin des trucs... On peut mettre un chenil. Genre, par exemple, ici, on pourrait mettre un chenil. Là. On peut se faire. Le chenil. 5 par 5, clos avec des caisses de chiens. Donc on peut faire un chenil d'ici. Pour ça, hop. Où s'arrête-t-il? Voilà. Avec l'électricité qui arrive. Voilà. Et des objets, donc les caisses de chiens. C'est où? C'est pas là, les caisses de chiens? Si, c'est là. Ça permet d'avoir des chiens.
Allez, c'est parti. Construisez-moi. Un peu tout ça. La trésorerie. Ok, l'électricité est arrivée. Déjà pas mal. Les cellules. Ça avance bien. C'est plutôt pas mal. On va en avoir 19 nouveaux dans pas longtemps. Donc je vais peut-être augmenter. La cantine. Alors, on va bientôt atteindre la moitié de notre objectif principal. C'est plutôt pas mal. On va bientôt avoir les maîtres chiens aussi. Une prison très sécuritaire. Pour l'instant, pas d'émeute, rien du tout. Les facteurs de danger sont au minimum, mais ça peut vite changer. Il suffit que je fasse des erreurs ou que la bouffe soit pas bonne. Et ça va être n'importe quoi. Ça y est, dans 2 heures, on a nos prisonniers qui arrivent. Ça va le faire. Ça y est, 50. Subvention à la Kement. Bloc CIRC, augmenter votre capacité de prisonnier à 100. Ça c'est bon. On le prend. Ce qu'il va falloir qu'on le fasse. Et d'ailleurs, ça me fait penser qu'il faudrait faire un troisième bloc encore. Hein. Enfin, un quatrième, du coup, en haut. On va en faire un. Allez, c'est parti. Un, 3, 4, 5. Et ici. Allez, 20 minutes, c'est parti, ça arrive. D'ailleurs. Toc. Donc, des maîtres chiens. Voilà. Alors des maîtres chiens, où est-ce que c'est les maîtres chiens? C'est là. Donc on a deux, des gardiens armés, il faudra les armer. Alors là, les prisonniers arrivent. D'ailleurs, ça me fait penser qu'il me faut un peu plus de gardiens. Pour les amener. Donc la prochaine fois, on a 34. Ouh, par contre, ça veut dire que 34, il m'en faut 69. Bon, ça va, on n'est pas loin du compte, mais 69 c'est quand même beaucoup. C'est vraiment beaucoup. Bloquée ouverte. Mode normal. Ça fait quand même vraiment beaucoup. Là, on est à 50. Je vous avais dit que ça pouvait vite monter. Hein. Au départ, on se dit, ouais, ça va lentement, c'est tranquille. En fait, non. Je sais pas comment ils se débrouillent pour savoir, enfin, pour déterminer le nombre de personnes qui vont te donner. Qui vont arriver. Là, je suis rodé, par contre. Avec mon petit truc. Je fais ça vite, je fais ça bien. Toc, déploiement. On met les portes. Juste que je mette. Ah, c'est bon.
Ça fait 20 minutes et je pense qu'on va arrêter là. Donc vous voyez, c'est quand même pas si simple, hein. Au départ ça va, mais là quand il faut en avoir... Oups. Quand il faut en attendre 34, il faut l'avoir fait une première fois pour se dépatouiller. Parce que là, 34, donc là on va en avoir 60. Je peux en remettre un paquet ici. J'en remettrai un autre paquet ici. Ça va me faire 60, donc 70-80. Par contre, là, j'ai juste pas la place, ce qui m'embête. Parce que ça veut dire qu'il va falloir que je fasse un réagrandissement pour atteindre les 100. Voilà. Bon, sinon, c'est plutôt bien. Tout va très bien. Hein. Facteur de danger low. On a nos différents, les différentes subventions qui vont très bien. Pour l'instant, il n'y a pas de problème et j'espère que ça va continuer. En tout cas, j'espère que ça vous aura plu. N'hésitez pas à partager les vidéos si vous avez aimé, à me suivre sur Twitter, à vous abonner à ma chaîne si ce n'est pas déjà fait, à me dire ce que vous en avez pensé dans les commentaires de la vidéo. Et puis, à dans 3 jours pour la suite de ce Let's Play découverte. Allez, salut à tous!